Honnêtement, j'ai l'impression que ma décoration, c'est un peu une déclinaison de ma garde-robe. Donc c'est vrai que c'est des couleurs que j'ai tendance à porter. Généralement, des couleurs assez chaudes, du marron, du beige, bah, comme mon pull, voilà. Je porte assez peu de couleurs, mais j'aime bien par petites touches. Greetings everyone, this is episode 8 of the apartment tour series. This episode was filmed in Pia's Parisian home. Episode 1 to 7 are available on my YouTube channel, links are in the description, first comment of this video, and in the cards as you watch. Happy viewing! Hello everyone and welcome back to my channel for a Paris apartment tour. So today the video will be in French, obviously it will have subtitles. I wanna thank Pia who invited me to her home. Bonjour Pia, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, bienvenue. Bah, merci beaucoup de m'accueillir dans son très bel appart et en plus on a une invitée de choix. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Ouais, du coup je m'appelle Pia, je vais avoir 28 ans cette année. Je suis née, j'ai grandi, j'ai toujours vécu à Paris. C'est un peu mon premier grand appartement comme une grande. J'ai emménagé avec mon copain en septembre 2021. Ok. À la base, quand on a emménagé, on habitait au premier étage de cet immeuble. Et donc là on est au cinquième. Pas mal. Donc, on a déménagé au bout de 6 mois. On a voulu récupérer ce bain de lumière, ce bain de soleil du bon matin. Moi je t'ai découverte via les réseaux sociaux où tu as un compte. Et ça c'est quelque chose que tu fais depuis quelques années, c'est ça? Ouais, mon compte Instagram ça va faire une dizaine d'années que je l'ai. Et depuis maintenant presque 3 ans, je répartis vraiment mon temps de travail entre mes activités freelance pour des clients mode, lifestyle, hôtellerie, etc. Et la création de contenu pour mon compte perso. Et de plus en plus depuis que j'emménage dans cet appart déco. Ok, je pense qu'on a tout. Donc on va commencer le tour. Donc on commence cet appartement tour dans ton entrée. Qui est vraiment super bien décoré. Merci. Première question, quel était ton process quand il s'agit de commencer un petit peu à décorer ton entrée? Ah ben, déjà c'est la dernière pièce qu'on a décorée, parce que c'est aussi la dernière pièce qu'on a repeinte, étant donné que pour installer les autres pièces, on allait probablement mettre des coups dans les murs, etc. Donc elle est assez fraîche cette entrée, on l'a aménagée en septembre dernier. On avait surtout envie de rangement. Ok. De rangement qui soit quand même esthétique. Toujours. Du coup, en fait, ce buffet, on l'a transformé en meuble à chaussures parce qu'on trouvait que un meuble à chaussures qui soit vraiment un meuble à chaussures souvent est assez peu esthétique. Donc en fait, ça c'est un buffet classique où normalement on mettrait plutôt de la vaisselle ou ce genre de choses. Nous, on y met nos chaussures. On a aussi installé ce petit porte-manteau rangement où on met les clés, maintenant les affaires de Leica, des petites etc. Des petits éléments de déco, les vases, la bougie parfumée de chez Les Broquettes que j'adore, tu verras qu'il y en a pas mal un peu partout dans la maison. Un petit banc pour s'asseoir, enlever ses chaussures. Et puis un petit miroir pour refléter la lumière. Donc là, élément un peu plus déco, un peu plus anecdotique, mais dont j'adore la forme. Et au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a un thème? Alors au niveau du bois, c'est effectivement un élément qu'on va retrouver un peu partout dans l'appartement. Donc sur le devant de la commode, le banc en bois et en canage. Et le doré aussi, c'est un élément qu'en petite touche, j'aime beaucoup apporter dans les pièces à travers les luminaires parfois ou ce genre de choses. L'élément qui est un peu surprenant même pour moi, c'est le noir. Ah. À la base, c'est pas une couleur que je voulais dans mon appart parce que je le trouve trop sombre. D'accord. Mais j'aime beaucoup les meubles avec des bimatières, ou voire même plus encore que deux. Pour le coup, dans l'entrée, je trouvais que ça se fondait plutôt bien. Déjà tous les murs sont blancs, l'espace est assez petit, donc je trouvais que c'était important d'avoir une pièce un peu forte. Est-ce que tu as un conseil, enfin je sais pas, en repeignant et en réaménageant cette pièce, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est venu à l'esprit? Tu t'es dit, ah,
Ça, c'est une bonne chose à savoir quand on est dans un appart ou quand on essaie de refaire son entrée. Bah, du coup, le, je pense que le premier conseil, c'est vraiment de le laisser pour la fin. Clairement, parce que effectivement, même encore après quand on a aménagé des plus petites choses, l'entrée a pris quelques coups alors qu'elle avait été repeinte. Et après, chose qu'on a fait dans toutes les pièces qu'on a repeintes, qui vaut aussi ici, c'est qu'en fait, on a deux tons de peinture. Donc, les murs sont beige, crème, et les plafonds sont blancs. Et d'ailleurs, les encadrements de portes et les portes sont blanches aussi. Donc, on n'avait pas envie d'avoir un blanc optique. Ouais. C'était quelque chose qu'on voulait apporter pour un côté un peu plus chaleureux. Donc voilà, ça, c'est dès l'entrée, le thème est posé. Ok. Deuxième pièce, moi c'est quand j'ai vu cette pièce que je me suis dit ah peut-être que pièce quand t'es intéressée pour faire un appartement tour. Dans cet appartement, est-ce que tu es arrivée avec certains des meubles que tu avais déjà? Bah en fait oui, l'appartement du premier étage avait exactement la même disposition que celui-là. J'avais déjà commencé à bien l'aménager. En fait quand on a emménagé ensemble avec mon copain, moi j'avais quasiment aucun meuble. D'accord. Avant je vivais dans un petit studio dont je suis propriétaire et que j'ai laissé en location meublée. Okay. Donc on a emménagé avec les meubles de mon copain, donc notamment ce canapé. Et après il reste pas grand chose de ces meubles. Ouais, j'ai changé au fur et à mesure en fait les meubles. J'avais vraiment envie de voilà, personnaliser mon appartement. J'avais vraiment cette idée de voilà, on commence avec ce qu'on a et au fur et à mesure on remplace avec des pièces chinées, avec des pièces coup de cœur, avec des pièces un peu plus d'investissement, etc. Effectivement, quand on est arrivé au cinquième étage, on avait quasiment tous les meubles que tu vois là. La dernière pièce de cette pièce et du coup la suspension. Qui a fraîchement été installé il y a une semaine. Après de longues recherches, j'avais beaucoup de mal à trouver ce que je voulais. Là, on a une table basse en travertin qui a été chinée sur Celency. Là, on a un fauteuil de la marque Color Therapy. D'accord. C'est une marque française qui fait de l'upcycling. La fondatrice de la marque, Lavinia, est d'origine roumaine. En Roumanie, il y a énormément de ces fauteuils des années 70, il me semble. Et donc, en fait, elle les récupère et elle chine des tissus en fait et elle les recouvre et voilà, elle utilise ces tissus chinés pour faire des pièces uniques. J'ai choisi du jaune. Le jaune c'est vraiment ma happy color. Donc pareil, en petite touche dans l'appartement comme le doré. Et je l'ai agrémenté de ce petit coussin un peu plus funky de chez Sociali Family. J'adore les imprimés animaliers en petite touche. Dans mes vêtements aussi, dans ma garde-robe, on le retrouve pas mal. Bah, les couleurs que tu aimes, etc. Donc est-ce que c'est des couleurs que tu aimes depuis très longtemps? Est-ce que c'est en les apportant dans la appartement, t'es là, finalement j'aime bien le doré par petites touches. Ouais. Honnêtement, j'ai l'impression que ma décoration c'est un peu une déclinaison de ma garde-robe. C'est vrai que c'est des couleurs que j'ai tendance à porter, généralement des couleurs assez chaudes, du marron, du beige, comme mon pull. Voilà. J'aime bien avoir une base monochrome, assez beige dans ces tons-là, beige marron, et après venir apporter de la couleur par petites touches. Typiquement dans ma garde-robe, ça va souvent être des accessoires, donc des sacs, des chaussures qui vont être de couleur. C'est un peu pareil dans l'appartement, la petite touche de jaune, le panier de Leica qui n'arrive de rien et de cette couleur ocre que j'adore. Ouais. Okay. Bah, on poursuit le tour de cette pièce et donc je voulais parler de ce meuble et surtout voilà. Pour la petite histoire, donc quand j'étais à New York, j'ai donc filmé aussi un appartement tour et Anne m'a vraiment vendu sur l'idée voilà, d'avoir des vinyles. Cette semaine encore, j'ai acheté un vinyle. Est-ce que je peux les jouer? Non, toujours pas, je n'ai toujours rien. Pas de tourne-disque pour moi, donc du coup, pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup? C'est une de tes habitudes? Alors, moi de base, j'écoute de la musique en permanence. Mais jusque-là, je l'écoutais sur mon téléphone, branché à des petites enceintes. Oui. Du coup, le vinyle, c'est celui de mon copain. Okay. Donc, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir les vinyles. Il y a ce côté un peu plus matériel que je trouve intéressant. Enfin, c'est un peu comme aller à un concert, on prend vraiment le temps. C'est vrai. Il y a toute une démarche qui est assez
petit plaisir, voilà, de vraiment faire ça en conscience. En fait, et après, on a plein de choses pour écouter de la musique. On a aussi une enceinte Bang & Olufsen dans la salle à manger. Mm-hmm. On a aussi la petite radio dans Vintage qu'on trimballe un peu partout, qui est souvent branchée soit sur France Info, soit sur Crooner Radio, qui est une station qu'on a découvert ensemble complètement par hasard. Du coup, c'est que des sons un peu de jazz. Voilà, j'adore ce genre de musique. Et du coup, ici, alors c'est une cheminée. C'est une cheminée prussienne. Ah waouh. Ouais. Effectivement, c'est les cheminées prussiennes qui, pour le coup, prennent beaucoup moins de place que les, oui, c'est vrai, que ouais, les autres. Donc, on l'a repeinte parce que, en fait, dans l'appartement en bas, elle était noire vernie. Et quand on est monté ici, elle avait été peinte en blanc. Donc voilà, je me suis amusée à la repeindre dans un noir qui s'avérait mat. C'était pas prévu. Mais au final, j'aime bien. Ce que j'aime bien, ça donne du caractère. Ouais, étant parisienne, je tenais vraiment à ménager dans un appartement haussmannien. D'accord. J'ai grandi dans un appartement haussmannien avec tous les codes parquet, moulures, etc. Cheminée, du coup. Mm-hmm. Bah, dans cet appartement, on a une cheminée par pièce. Très jolie, mais j'avoue qu'on en aurait enlevé une. Oui. Voilà. Ah, mais est-ce que c'est une décoration qui change un peu avec tes humeurs ou est-ce que ça reste un peu comme ça? Non, elle change pas trop. Ok. Elle vient se réveiller quand on allume la radio ou quand on allume les bougies. D'accord. Ou ce genre de choses, mais elle a bougé au début évidemment, le temps de trouver sa position. Ouais. J'aime bien vraiment choisir des pièces encore une fois de façon très consciente parce que je sais justement qu'elles auront leur place chez moi, qu'elles vont rester. Du coup, des pièces dont je vais pas me lasser, avec plein de babioles, des bibelots, des petits miroirs, tous les parfums d'ambiance, des bougies, ça tu l'as compris avec l'entrée. On est assez fans tous les deux de bougies, donc ça c'est des plantes en hiver. Ouais. Et puis des plantes. Je vois des plantes qui sont en vie. Ouais, ma petite question, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes apporter? J'avais jamais vraiment eu l'opportunité de m'intéresser aux plantes. D'accord. C'est venu un peu plus tard quand j'ai emménagé du coup dans mon petit studio qui avait un balcon. Mon copain a lui pas mal la main verte. On a Jean-Claude ici. Trop mignon. Voilà, qui est un ficus. Ok. Mais celle-là, dont je ne saurais pas te dire l'espace parce que je n'en suis pas à ce niveau d'expertise. Mais en tout cas, je sais que j'aime en prendre soin. J'adore les voir fleurir. Il y a pas mal de bouquets de fleurs séchées, de fleurs fraîches qui ont séché. D'accord. Dernière question sur cet espace, j'ai une de mes amies qui me parlait un peu de ce concept de, je vais le dire en anglais parce que c'est plus simple, you dress like your house. Mm-hmm. Et c'est vrai que tout à l'heure tu mentionnais un peu cette idée, enfin voilà, le fait qu'il y a certaines couleurs qu'on retrouve dans ta garde-robe et tout. Mm-hmm. Est-ce que c'est un concept auquel t'as déjà pensé? Honnêtement, je pense que ça m'est venu assez naturellement quand on en a parlé, mais j'y avais jamais vraiment pensé avant. Je pense que c'est assez inconscient. Oui. Après, j'ai la chance que mon copain me laisse globalement un peu carte blanche sur la décoration de cet appart. La décoration, je le fais de façon assez spontanée et naturelle. Et je pense que mon goût de base pour l'esthétique est vraiment lié à la mode. Mm-hmm. C'est à travers le vêtement que j'ai eu vraiment cet éveil créatif, ce goût pour le beau, etc. Okay. Je pense que inconsciemment, ça s'est imprégné dans ma décoration, même au niveau de cette idée de voilà d'acheter des pièces ou de chiner des pièces pour les garder longtemps, de faire du tri régulier. Clairement aussi, c'est quelque chose que je fais dans mon dressing et dans la maison aussi, c'est quelque chose de naturel. C'est super. Du coup, donc on est dans la chambre qui est très 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 belle. Quand t'es venue dans cet espace, quel était ton process? Du coup, la chambre, c'est la seule pièce dont on a dû revoir l'organisation par rapport au premier étage parce que la cheminée au premier étage était contre ce mur-là. D'accord. Donc voilà, c'était un peu la seule configuration qu'on pouvait avoir pour le lit. Visiblement, c'est la plus feng shui. Ah, c'est cool. J'avoue que ça m'a mis un petit peu de temps à m'habituer. Je trouvais aussi que du coup, toute la décoration était condensée sur ce mur. Mais du coup, j'ai essayé de compenser ça avec le banc, avec une petite étagère au-dessus du radiateur où j'ai mis de la petite déco. Au niveau des couleurs que t'as choisies, donc on retrouve un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, donc voilà les couleurs chaudes, les accents. Est-ce qu'il y a des pièces que tu souhaites mentionner en particulier? Ouais, c'est vrai que c'est assez homogène en termes de coloris. On retrouve la touche de doré là dans le cadre du miroir et dans le pied du luminaire du coup. Après pour le reste au niveau des textiles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de beige. Donc là on a une parure de lit de chez Grège en lin et des rideaux quasiment assortis qui viennent de chez Merci
Paris. Ça, c'était aussi un objectif dans cet appartement et notamment dans la chambre parce qu'on n'a pas de volet. D'accord. Ah oui, oui, on est marqué, ouais. Et du coup, je suis partie sur ces rideaux qui en plus vont avec tout, donc même pour changer de parure de lit. Après, du coup, dans la chambre, on a quelques pièces un peu plus designer, un peu plus investissement, notamment ce petit tabouret en textile de chez Moustache. D'accord. C'est un designer parisien. Ok. Et puis, il y a aussi ce coin-là que j'aime beaucoup. À la base, le banc était dans l'entrée. Ok. Souvent, je mets un petit bouquet de fleurs. D'accord. Il y a ce côté un peu bucolique avec les paniers en osier au-dessous. Au niveau donc des affiches, même de la déco, est-ce que tu avais un thème? J'avais un vrai challenge à ce niveau-là parce que dans un premier temps, les affiches que j'avais achetées étaient souvent des affiches qu'on retrouve un peu partout. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sites maintenant qui proposent des déclinaisons d'œuvres assez connues. Donc il y en a une que j'ai gardée malgré tout. Mm-hmm. Pour le coup, j'adore cet artiste, j'adore les couleurs. Mais c'est vrai qu'ensuite, dans un second temps, mon objectif, ça a vraiment été justement de commencer à faire les choses avec plus de conscience. D'accord. De trouver celles qui me parlent, de les chiner ou de les acheter auprès d'artistes que j'apprécie aussi. J'ai un petit stock d'ailleurs de tableaux, de photos encadrées qu'il faut que j'installe. Mm-hmm. Les deux petits bibelots qu'on a de part et d'autre du lit, c'est une illustratrice qui s'appelle Estienne Coquerel. C'est beaucoup dans le style de mon copain, il adore les illustrations. Mm-hmm. Et ensuite, on a deux petits bibelots au-dessus de du radiateur. Mm-hmm. Là, c'était un challenge aussi de trouver cette étagère de radiateur. J'ai trouvé ces étagères en marbre chez le Roi Merlin. Passion pour le Roi Merlin. J'y achète tout plein de choses. Les petits cadres, les étagères. Ouais. On a deux affiches préférées, c'est celle de Cléa Lala. C'est une artiste française qui fait de la broderie. Ouais. Elle brode souvent des dessins et des messages. Mmh. Et voilà, donc je suis hyper contente d'avoir pu avoir un original aussi. Une des choses que je préfère dans cette chambre, c'est les tables de chevet. Oh, wow. C'est des tables de chevet de type Michel Dumas. Okay. Elles sont en plexiglas fumé. Mmh. J'adore le coloris. Du coup, des tables de chevet chinées sur un petit compte Instagram qui s'appelle Les Belles Vies. Est-ce que c'est une habitude que dans ton appartement de chiner un peu des pièces? Ouais, je regarde toujours en premier les options de chine. Mmh. En fait, c'est aussi ça qui me permet d'identifier le style et les modèles qui me plaisent le plus. D'accord. Ensuite, je garde l'œil ouvert pendant plusieurs mois pour voir si je trouve mon bonheur. Si j'ai un coup de cœur sur une marque plus traditionnelle, contemporaine, je m'en prive pas non plus. Quand j'ai rien envie d'acheter ou que j'ai pas de besoin particulier, j'aime bien passer un peu de temps sur ces Etsy, notamment. J'aime vraiment beaucoup cette plateforme. Mmh. C'est des pièces uniques, et généralement quand je partage mon intérieur sur Instagram, à chaque fois que j'ai une question, c'est sur une des pièces que j'ai chinées. C'est trop chouette de savoir que elles plaisent, mais si quelqu'un veut, il n'aura pas exactement la même. J'aurais pu l'inspirer à avoir une pièce de ce style là mais il n'aura pas la même que moi. Oui. Est-ce que tu as des tips pour quelqu'un qui se suit sur Insta et qui voudrait quelque chose peut-être dans ce style? Généralement je fonctionne vraiment au besoin, donc j'identifie une pièce dont j'ai besoin, par exemple cette commode. C'est un des premiers éléments dont on a eu besoin dans la chambre pour compléter les dressings qu'on a dans l'appartement. J'avais déjà repéré un peu l'esthétique scandinave qui me plaisait bien. Mm-hmm. Et du coup, j'ai vraiment fonctionné au mot-clé sur Le Bon Coin, sur Celency. Donc voilà, je me suis rabattue sur ce choix. Elle a aussi pas mal de succès à chaque fois qu'elle apparaît dans mon contenu. Et le lit, je trouve que c'est intéressant parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'avoir un lit avec une tête de lit qui est quand même assez proéminente. Et donc, du coup, si je ne me trompe pas, ce n'est pas le cas ici. Non. C'était un choix? Ouais, en fait, j'ai eu une tête de lit à un moment. Et en fait, au bout d'un moment, je m'en suis lassée. Et le lit qu'on a, du coup, qui est un des seuls survivants des meubles de mon copain, que pour le coup, j'adore. C'est un lit de chez Maid. Malheureusement, plus disponible, mais il a un côté un peu japonisant, assez bas de sol, avec ce sommier qui déborde un peu du matelas. Et cette bibliothèque qui, du coup, je trouve, habille super bien. Et... Bah, comme on parle de bibliothèque, donc, est-ce que tu es quelqu'un qui aime lire? Les bouquins que j'ai ici, c'est les bouquins que j'ai fini de lire. Là. Je lis beaucoup, effectivement. Mm-hmm. Sur ma table de chevet, j'ai des petits livres. Mm-hmm. Dernière petite chose, donc le tapis, mais juste parce qu'on en parlait, de la marque Cold Picnic, c'est ça? J'adore. Je l'avais à la base acheté pour la salle de bain de mon petit studio. Mm-hmm. Je le recycle en descente de lit. Enfin, je le trouve très fun. J'adore les motifs un peu subversifs. Ok. Dernière pièce de cet appartamento.
étiez pris pour le décorer? C'était un espace qui comptait beaucoup pour moi parce que je tenais vraiment à avoir une table à manger, une salle à manger, un coin convivial, que ce soit juste pour nous en tant que couple, mais aussi pour recevoir des amis. C'est un peu le challenge de trouver cette fameuse table à manger. Je savais pas trop par où commencer. Je savais que je voulais pas une table en bois parce qu'on a déjà beaucoup de bois, notamment là cette grande bibliothèque en bois. Je voulais quelque chose qui casse. Comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup mélanger les matières, les textures, les couleurs, etc. Et donc je me suis orientée pour le coup vers un modèle de chez Alinéa. Je suis hyper contente. En plus j'aime bien la forme, elle est originale, c'est pas carré, c'est pas rond. Les chaises, pareil, c'est mi-chiné, mi-achat. Les deux chaises ici sont des modèles chinés. C'est un modèle des années 80 d'un designer allemand. J'avais envie de matière, j'avais envie d'un tissu un peu texturé. Et les deux autres chaises, un tissu bouclette blanc, c'est une marque espagnole. Ok, pour cet espace en particulier, je trouve que ouais, il y a une petite touche un peu rétro, notamment avec le luminaire. Quand on a emménagé ici et que j'ai vu qu'on avait la possibilité de mettre des suspensions, des maquettes, de trouver celle qui irait parfaitement. La lampe en elle-même, chinée sur Celentio, encore. D'accord, enfin, okay. Vraiment, je trouve quasiment toujours mon bonheur là-bas. Elle m'a goûté, mais genre 20 euros. C'est vraiment du délire. Super affaire. Par contre, on l'a recablé complètement. D'accord. On a été acheter chez Leroy Merlin tout ce qu'il fallait. Donc avec un câble jaune, ouais. Un tissu. Ça fait écho au tableau derrière. On a le bureau et la salle à manger dans la même pièce. Ça fait deux tables. On n'avait pas trop le choix. Mais du coup, là, je suis contente parce que ça fait vraiment de la délimitation. Donc on a une espèce de petite gallery wall. C'est un gallery wall qui vient de Poster Club. Donc comme je le disais un peu plus tôt, généralement, j'essaye d'éviter les affiches un peu préconçues. Pour le coup, chez The Poster Club, je trouve qu'ils ont une sélection beaucoup plus artistique qui raconte justement l'histoire des artistes, qui les présente. Donc je me suis un peu amusée avec toutes ces formes, toutes ces couleurs. Ici, déjà je trouve que le meuble est très joli en lui-même. La bibliothèque, à la base c'était vraiment un besoin parce que mon copain a pas mal de livres, notamment des gros livres scientifiques, très techniques, etc. C'est une Tilco, c'est une marque polonaise qui fait toutes ses bibliothèques à la demande à partir de bois éco-sourcé. Et je voulais quand même que ce soit une bibliothèque un peu façon galerie d'art, quoi, qui n'est pas que des livres et que ce soit hyper imposant. Je voulais venir l'aérer avec des éléments de décoration, notamment quelques livres d'art qui, comme tu vois, sont positionnés à l'horizontale par rapport aux autres. Pour la plupart, c'est des livres que j'ai achetés dans les librairies des musées. J'adore faire ça. Il y en a quelques-uns aussi que j'ai achetés via l'application Choose. Ah, ok. Sébastien, je connais, mais du coup, c'est une application mobile qui met en avant exclusivement des marques éco-responsables. Et puis après, c'est surtout les animations de déco, ce vase incroyable de la céramiste Amour Amour. La petite lampe faite à la main à partir de socles recyclés et l'abat-jour est tressé à la main. Ça, c'est chiné chez Celentio. Ça, c'est un vase vraiment coup de cœur. La très belle lampe socialiste familiale. Ok, alors du coup, le dernier espace. Le plus challengeant de cette pièce. Comme je le disais, donc c'est un espace salle à manger et bureau. Et en fait, j'ai travaillé avec Maison du Monde. Okay. Et du coup, c'est ensemble qu'on a un peu repensé l'organisation. D'accord. Je suis vraiment ravie avec tous les mélanges de matières que j'adore. Donc le travertin un peu en vieux rose, le meuble bimatière avec effectivement le bois et le canage, les petites poignées dorées. Dans un second temps, j'ai aménagé le mur avec ce miroir que j'avais repéré depuis longtemps, que j'adore pour son coloris ambré. Ça change étant donné qu'on a déjà en plus un miroir au-dessus de la cheminée. Les petites étagères, c'était la dernière addition. J'ai fini par repérer ces étagères toujours du designer moustache du coup dont j'ai entabouré dans la chambre. J'en suis hyper ravie. J'ai pas encore fini de mettre ce que je voulais dessus. Ok. Donc il faut que je identifie avec le temps ce que j'ai envie de mettre dessus. Bon bah du coup, Pia, c'est la fin de cet appartement tour. Je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de faire ça et de m'accueillir dans ton appartement. C'est aussi super cool de voir ce qui t'influence, comment est-ce que toi tu envisages une pièce, quels sont les décos, les marques, etc. qui te plaisent. Et bah du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que donc là, il y a quelque chose en matière de déco sur laquelle t'es... Le canapé. Ah.
depuis que j'ai emménagé avec mon copain, on a du coup ce canapé qui était le sien et qui parvient absolument pas à remplacer. D'accord. Il me pose problème pour sa couleur, du coup, qui est grise et qui pour moi est beaucoup trop froide. D'accord. Par rapport au reste de l'espace. C'est vraiment pas du tout une couleur que j'apprécie et que j'ai envie d'avoir chez moi. Okay. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui cloche. J'arrive pas du tout pour le moment à trouver mon bonheur. Mais je vais prendre mon temps, encore une fois. C'est vraiment ma quête. Du moment. Ouais. Sinon, pour le reste, j'ai un peu un sentiment de complétude. J'ai l'impression d'avoir atteint quasiment ce que je voulais dans toutes les autres pièces. Donc, écoute, encore une fois, merci. Et je pense que, comme tu disais, on sent finalement ce sentiment de complétude. On sent que l'intérieur, quand même, est pensé, très intentionnel. Et merci beaucoup. Okay. Merci de ton intérêt. So, thank you everyone for watching. And you know, as always, if you enjoyed this video, you can watch more of the apartment tour series on my channel. There's other cities, London, Berlin, New York, Brussels, the sky is the limit. Definitely go and check Pia on Instagram. All right, thank you again for watching, everyone. Bye.